Que vous inspire l'expression totem? Il y a fort à parier que si vous êtes en relation avec des peuples africains, indiens, voire amérindiens, cette notion de totem ne vous est pas complètement indifférente. D'ailleurs, le mot totem est originaire des peuples amérindiens. Vous entendrez très souvent ces populations associer à ce mot totem une autre notion qu'est la divinité. Oui, des divinités qui vont souvent être représentées par soit des objets, soit par des animaux. Prenons par exemple le cas des animaux, car ça va être notre sujet du jour. Vous verrez par exemple au sein de ces populations qu'il y a une relation très particulière avec certains animaux. Certaines familles, clans, villages parlent même d'animaux protecteurs. Alors, vous devez vous dire à cet instant, mais est-ce que Manis veut nous emmener avec cette notion de totem, d'animaux protecteurs, de divinité? Je souhaite qu'aujourd'hui, vous fassiez un exercice. Oui, je souhaite que vous puissiez me dire, parmi les quatre animaux que je vais vous présenter dans cette vidéo, lequel est le plus proche de votre rapport à l'argent. Oui. Et pour cela, ça va être très simple. Vous allez disposer de deux choses. La première de ces choses va être la vidéo, le contenu. Je vais vous présenter quatre animaux. Vous allez m'entendre dire quelques mots au sujet de ces animaux. À la suite de ça, vous allez pouvoir vous positionner. La deuxième chose dont vous allez pouvoir disposer, c'est un quiz qui est dans le descriptif de cette vidéo. Vous allez dessus. Il va vous permettre d'identifier lequel de ces animaux est le plus proche de vous quant à votre rapport à l'argent. Vous l'avez donc compris. Aujourd'hui, dans le cadre de ces deux exercices, je souhaite que vous puissiez déterminer quel est votre animal totem protecteur. Quel est votre totem financier? Allez, c'est parti donc pour la présentation des quatre animaux et notamment l'identification de votre animal totem financier. Allez, c'est parti. Vous avez compris que le premier animal dont nous allons parler dans cette vidéo est le mouton. Leur attitude se caractérise souvent de la façon suivante. Un collègue, un ami ou une connaissance vient de s'acheter un nouveau téléphone portable. À la vue de cet appareil, les moutons vont se dire qu'il leur faut absolument le même appareil. Alors, ils courent acheter le même téléphone. Au passage, ils ont déjà un téléphone portable et à la limite, cela ne fait pas très longtemps qu'ils l'ont acheté. Oui, les moutons aiment suivre et la société aime les moutons, toujours prêts à suivre le mouvement. Les moutons ont souvent tendance à vivre au-dessus de leurs moyens. Ils savent qu'une dépense n'est pas justifiée, mais ils la feront quand même, tant que ça leur donne une certaine image dans la société. Ainsi vont les moutons. Voici venir les champions de l'extrême confiance, les pigeons. Vous faites tellement confiance aux autres que vous êtes toujours prêt à leur confier votre argent pour qu'ils le gèrent à votre place. On a l'impression que vous chassez l'argent. À peine arrivé dans vos poches, que vous cherchez déjà une occasion pour qu'il se retrouve dans celle d'une autre personne. Vous avez la dépense facile. Et pour vous, toutes les occasions sont bonnes pour dépenser. Les deux derniers animaux de cette vidéo font l'objet d'une fable très célèbre d'un poète français. Je veux bien évidemment parler de Jean de La Fontaine dans La Cigale et l'autre, je l'aborde tout à l'heure. Donc, on va s'attarder dans un premier temps sur la cigale. Qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de nos amis les cigales? Ben, dans un premier temps, leurs économies sont toujours au rouge et leurs entrées d'argent sont quasi nulles. Ils vivent au jour le jour. Ils comptent très souvent sur leur bonne étoile pour régler leurs factures ou encore mieux, sur leur entourage, à savoir famille, amis et connaissances. La cigale et la fourmi, c'est le titre de la célèbre fable de Jean de La Fontaine.
Et bien évidemment, la fourmi est la dernière de cette liste. Vous êtes une fourmi si vous avez tendance à accumuler l'argent. Vous faites attention à vos dépenses. Et pour cela, vous n'avez qu'une seule règle. Ne pas dépenser plus que vous ne gagnez. Et d'ailleurs, vos mots préférés sont épargne, gain, rentabilité et gestion. Voici donc la liste des 4 animaux dont je souhaitais vous parler dans le cadre de cette vidéo sur les totems financiers. Alors, perso, j'ai envie de vous dire que je suis un peu des 4. Il m'arrive parfois d'être un peu mouton en suivant les autres dans le cadre de certains projets sans trop m'attarder sur certains détails. Il m'arrive aussi parfois d'être un peu pigeon, de confier des affaires à d'autres pour que ces derniers le gèrent à ma place. Ça m'arrive un peu. Il m'arrive aussi, pas très souvent, mais ça m'arrive d'être une cigale, de me lancer dans des business, dans des affaires, en me disant, bon, peut-être que de passage, ma bonne étoile va me permettre d'atteindre mon objectif. Mais il m'arrive également, et ça très 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 souvent, d'être une fourmi. Être une fourmi est nécessaire si vous souhaitez absolument mettre de l'ordre dans vos états financiers. Cela est très important pour un entrepreneur, pour quelqu'un qui veut lancer des entreprises, des business à succès, de développer les aptitudes d'une fourmi. Au final, tout est une question de proportion. Et si aujourd'hui vous êtes beaucoup plus mouton qu'aux fourmis, j'ai envie de vous dire, ne paniquez pas, ne vous inquiétez pas. À la différence des totems liés aux familles, aux clans en Afrique, ces totems-là, vous pouvez les changer à tout moment. Okay? Vous pouvez très facilement passer de pigeon à fourmi, de cigale à mouton. Cela ne dépend que de vous et du rapport que vous allez instaurer entre l'argent et vous. Donc, ces totems sont à votre portée de main. Vous pouvez changer de totem à tout moment. Alors, après toutes ces explications, pouvez-vous maintenant me dire lequel de ces animaux est votre animal totem financier? Si vous avez encore des doutes, ne vous inquiétez pas, je vais vous aider en vous invitant à réaliser le quiz qu'il y a dans le descriptif de cette vidéo. Lui, il va couper court à toutes les discussions. Il va vous permettre de savoir de façon objective lequel de ces animaux est votre animal totem financier. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et surtout, cœur d'entrepreneur. Ciao les amis!